Ou sou Enzi 509, ou fè bonsoir. Nou profite saluer tout haïtien qui nan diaspora. En Argentine, au Brésil, en Équateur, au Chili, nan ville Santiago, même jan nan ville Santiago, nan pays République Dominicaine, nou salue tout haïtien sa yo ki nan San Pedro de Macorís, ki nan Igwe, ki un peu partout à travers la République Dominicaine et nou salue haïtien ki au Chili, haïtien ki au Mexique, au Canada, aux États-Unis, haïtien ki nan pays la Turquie. Et qui n'en pays la France. Alors, c'est désormais une réalité, la force multinationale qui atterrit. 400 policiers sous bout de terre, papa de Saline. Non. Et ça, c'est pas une nouvelle déjà, puisque depuis ce matin, nous t'avons Kenya Airways, qui c'est avion qui t'a transporté, monsieur Yo, et qui désormais sous bout de terre. C'est comme des frères africains qui viennent rider nous dans la bataille contre l'insécurité. Hein? Alors, gagné deux mots qui montent dans tête moi là, c'est pyromane avec pompier. Pyromane, c'est monde qui mettait du feu dans caill là. Dans cas par nous, il y a monde qui dit que monde qui a mettait du feu dans caill là, yo dans trois catégories. Des politiciens, des oligarques, des bandits et puis des policiers. C'est catégorie monde ça qui mettait du feu dans caill là qui aggraver phénomène d'insécurité. Mais les pompiers tout. Et les pompiers, c'est lui-même qui l'a pour éteindre du feu. Et dans le cas par nous, il y a des gens qui disent que deux corps qui représentent les pompiers dans le pays actuellement, là, c'est d'abord, et on est capable de dire trois corps, puisque on doit compter la police ensemble avec l'armée et désormais la force multinationale. Donc, la force multinationale. On peut l'haïtien Welly comme un pompier qui vient éteindre du feu insécurité. Mais qu'on y a là, il y a de l'autre parole qui a parlé. Il y a une parole qui a parlé là, qui voit non l'autre temps, soit près de 18 ans avant. C'est une parole force ensemble avec une parole dialogue. C'est comme nous retourner en 2006 alors que le président Préval était fini élu. Il était fait face avec une situation d'insécurité, rat pa kaka, en pile chimè, résistance dans quartier populaire, kidnapping. Nous, pour moun ki te vive dans le moment ça, connaît de qui ça n'a parlé. Donc c'était le chaos 18 ans avant. Après, soit 2006, deux ans après que des étrangers te vin chercher Jean-Martin Aristide et puis yo te voyé en exil. Il était pratiquement escorté l'ancien président et puis allé en Afrique ensemble avec lui. Nous songeons deux ans après, c'était le chaos que Aristide t'a laissé pour Préval. À l'époque, Tevin gagné ministre. Et le ça c'est ancien président Préval qui t'a parlé de parole force avec dialogue là. Et c'est dialogue là qui était intéressé mon yo avant parce qu'à l'époque tu gagnais DDR. Même si je dis à gagne mon cap dit semblait en 2006 tu gagne DDR mais kounya là nous plus capable gagner par rapport à position gang yo on DDN. DDN non comme quoi gang yo dormi de honnête tant qu'on pas gagne dialogue pour permettre que yo retourner dans vie normale. Mais ça c'est des paroles qu'a parlé puisque pour qu'on gagne aucune décision qui prend dans niveau ça. Donc je dis à là avant nous entrer dans cause ça son l'autre groupe qui mandé dialogue pendant que force venir en la rue. Mais avant c'était l'état en quelque sorte puisque Préval te représentait l'état. Donc c'est pas dialogue sans force Préval te dit mais c'est force avec dialogue. Solution qui a marché en même temps. Depuis qu'on a examiné, on va mourir. Si en tout temps, vous voulez remettre examen, mais pour remettre examen, il faut que le monde parle avec vous. Si vous voulez remettre examen, vous allez entrer dans le DDR. Donc ce n'est pas dialogue sans force, c'est dialogue avec force, force avec dialogue. Examen, faut jouer le monde pour parler. Faut jouer l'état pour garantir que la fête est là avec vous.
Ou pas vouloir remettre zam nan, ou ap mouri. Et dans semaine ça, il y a au moins 17 bandits mouri dans zone ça. M'a répété une dernière fois encore. Dialogue là pas veut dire ou pas seulement parler avec moun ki gen zam. Ou ap parler avec yo pou di yo mes choix. Soit ou remettre zam nan dans cadre de DDR, soit ou mouri. C'est ça que voilà, nous sortis en 2006 pour nous retourner en 2024. C'est comme si nous avons là, chaque 20 ans, nous avons l'obé. Chaque 20 ans, nous avons un problème. Et comme si, à chaque moment, il y a une catégorie qui mette du feu dans le cas là. Et puis, à l'autre moment, il y a une catégorie qui servit de pompier et qui éteint du feu. Donc, c'est comme si fond gain force multinationale avec la police qui a fait travail ça à chaque fois politicien oligarque nous capable dire bandi et puis policier. Donc est-ce que c'est ça préval ancien président a annoncé en 2006 ça va le passer là c'est l'état qui t'a porté condition parle ensemble avec et à l'époque c'était bandi dans quartier populaire, c'était chimère qui t'a fait résistance. Laisse ça au moins t'es continuellement sur l'état même si non mieux t'es les préval là c'est ton Wagner c'est ton tafiaté mais le sont capable dit que t'es gon minimum en termes t'es gon petit protocole t'es gain un minimum en termes de machine l'état qui t'es là alors 18 ans après faut nous pays à ganglé. C'est Gang Tout Partout, c'est G9 GPEP, c'est Vivre Ensemble. Et c'est Barbecue qui a dirigé comme chef qui m'a dit dialogue. Mais c'est Barbecue qui a parlé, ça semble être un dialogue sans force là. Et c'est ça nous capable de comprendre. Dans la façon que chef gang, ancien policier Jimmy Cherizi alias Barbecue, li adresse la avec PM Gary Conny. Li important oui, pour nous tourner sous message ça parce que nous allons faire des considérations pour permettre que vous compreniez qui côté ça pour aller dans jour qui va venir là. M'a fait vidéo ça pour me parler avec premier ministre Gary Conny. Monsieur Gary Conny, premier ministre pays d'Haïti. N'importe Jean lié, n'importe Jean Lomito premier ministre, mon gars premier ministre net. Et personne moun pa ka douter des capacités intellectuelles. Personne moun pa ka douter des formations. PM bon zon bagay. Et ou pa met zam nan quartier populaire. OK? À ma connaissance, m'ba ko jam tande on fois, on nèg ki gen zam nan men pou le citer non comme nèg et que ki te kon bay zam nan quartier populaire. Et bien ouais jodi an, mais même m'a bo ça comme conseil. Pas occupé aucun politicien traditionnel qui te mette zam dans le pays pour déstabiliser le gouvernement qui est là. Et que journée aujourd'hui, qui besoin de mettre devant comme pont pour pouvoir prendre zam pour yon par la force. Premier ministre Conny, pas occupé aucun bourgeois, aucun oligarque qui te baille zam parce que vous pas de compétition avec l'autre oligarque pareil, l'autre businessman pareil. Pour te craser, briser dans le pays pour yo, et que journée Josiak pa gen kontrol zam yo, k'ap vin mando et que pour vin pran zam par la force. Wè sa gen la PM, son dialogue pou li. Prouve le monde entier, ou ka make l'histoire. Comme on est qui vini, qui pa contribuye nan craser pays a, qui pa contribuye nan bay zam nan quartier populaire yo, et puis Josiak pacifier pays a, ou capable. Mais meilleure façon pour pacifier pays a, c'est avec dialogue. Meilleure façon pour pacifier le pays, c'est avec le quartier populaire. Mettez plus à terre, PM. Mettez plus à terre. J'en t'ai descendu à visiter en bas la ville. Et mettez plus à terre, Kounia. Comment c'est fait action? Action, c'est qui s'allie? C'est pas occuper aucun monde comme chef CSPN là, qui va venir faire opération tête en bas pour qu'il vienne gérer affaire par eux. Mettez plus à terre, vous l'avez dit. En bas d'elle m'a bloqué, les sales. Fait nettoyer au bout nous. Kafou aviation, ou t'en krasé, net krasé. Kote papa nation, y a, moun ki ba nou indépendance, moun ki fait ou moun ou yé jodi.
moun ki fò moun jodi an Jean-Jacques Dessalines papa pays a côté il y a sale la boufatra voyez nettoyer station Gonaïve pour nous voyez nettoyer échelon pour nous voyez nettoyer cafou aviation pile fatra et sou fatra n'a vive et c'est ça on a dénoncé pas occuper moun k'ap vinn tout pa ka faire ou capable faire OK voyez nettoyer zone ça pour nous comment c'est faire ça comment c'est vous un signal clair à nous ouais jodi an la depuis l'on monte première fois Madrid c'est bravo nous en mode d'observation nous ap suivre vous nous ap suivre action moi dis ça encore ou gen chance jodi an pour écrire l'histoire pays ça comme nèg qui pas konn bay zam qui pas konn bay bal dans quartier populaire et puis qui vini qui pacifier pays a qui ramasser zam yo et que qui fait élection et qui met pays a sur route développement histoire gado grand OK PM on fait vidéo ça pour parce que nous même n'a pas observé depuis nous c'est bail sérieux à régler n'a prétend tout nous n'a prétend tout nous parce que nous aimer pays ça et changement une besoin depuis nous on vient pour changement n'a prétend tout nous mais depuis nous c'est même bagaille on vient faire ça nous gétant dans nous déjà nous gétant connait nous pas en prison pas en prison pour nous et la mort parce que nèg ici pas quitter mal en prison pour me pas parler OK PM prend responsabilité n'a suivre vous pays a suivre le monde entier a suivre vous bonne chance dans travail. Alors il est clair que pour qu'on y a là premier ministre Gary Conille ignorer Jimmy Cherizier alias barbecue mais ça pas veut dire que PM n'a pas connu qui ça cap passer ni pas veut dire tout que pas grand cap cuisiner pas grand cap cuit pour permettre que dialogue là Livin sous table. Pas oublier que premier ministre là, c'est également le ministre de l'Intérieur. Qui ça me dit par là? Ça veut dire que tout ça gagne comme renseignement, tout ça cap cuit, tout ça cap dit, tout bas dans le pays, a, premier ministre là, avec structure renseignement que li gagne en mail, l'État doué connaît yo et l'État doué a préparé pour prendre disposition pour répondre avec. Chaque ça qui paraît comme évolution par rapport à la situation insécurité. Est-ce que PM nan pral rentrer dans logique dialogue avec force ou bien dialogue sans force? Parce que voilà, c'est comme si c'est même formule prévalent. Nous pral rééditer. Bon, là, pas que mal la donne, puisque, ouais, des fois pour résoudre un problème, qui même s'il apparaît plus ou moins nouveau, faut regarder qui j'ai un problème, ça te présenté peut-être avant, et qui solution te adopté avant pour ne pas peut-être retourner avec presque même solution. Parce qu'en pile côté, le gain un problème qui posait deux fois, il n'a pas réinventé là-haut. Il a regardé ça que tu fait et puis il dit même coup de bâton. Est-ce que du coup, premier ministre lui-même pral faire même genre rival ou bien il pral porter une solution originale? Mais pour l'instant, premier ministre là, pas répondre Jimmy Cherizier alias barbecue. Bon. Qui ça approche là les mêmes l'Italie. Est-ce que PM n'a pas rentré dans la logique amnistie? Ou amnistie ça pose un pile problème. Bon, je dis à la, on a l'impression que moment pas mandé pour amnistie par rapport avec l'opinion. Et amnistie en veut dire c'est les mêmes qui veut dire vivre ensemble dans langage gang. Donc les gang du vivre ensemble non, il y a parlé eux même dans langage pas de amnistie. On est qui politicien, on est qui fait droit, on est qui c'est gros ça vient dans notre domaine ou qu'a parler de amnistie mais gang yo parler yo même de vivre ensemble. Par conséquent vivre ensemble avec amnistie c'est même plim même plimay. Alors, je dis là je vous dis là qu'est difficile pour appliquer amnistie. Mais quelques jours avant pour Guy Philippe, on sait chef rebelle là semble c'était plus bon approche pour mettre la paix en d'un pays. Attendez, misère a créé conditions pour jeunes dans zone défavorisée accepter le politicien venu devant les balzam okay. Le ambassade la venir le balzam le l'autre groupe qui gagne l'autre bagarre intérieur député sénateur président premier ministre parce que gang en Haïti c'est depuis 1994 1995 il y a armé jeunes garçons et nous avons pipi avant depuis soit avril nous commencer une dérive avec Zengredo. Et puis avec le président Aristide qui vient faire question de l'armée rouge dans la Cité Soleil, tout nous tous songer
Ça qui t'est passé, Marie-Christine Jeune, mm-hmm. policière que, mm-hmm. qui parle de les bandits, mais ils ont assassiné. Nous tous connaissons la métier manchette, nous entendons tout le bagaille. Tout président depuis 1995, depuis les derniers 30 ans, ils ont tous participé dans l'armée Moun. Tout participe dans l'armée Moun. Tout nèg qui sous pouvoir, ils ont toujours participé dans l'armée Moun. Donc, ils ont fait corruption, ils ont mis dans pauvreté extrême, dans misère extrême. Donc là, ils viennent examiner dans l'armée. Monsieur, quand ils ont Zel Sapat Matissan, ou bien Zel Sapat et quoi des bouquets ou bien côté, c'est qu'ils ont une arme qui coûtait 5-6 000 dollars américains, puis ils ont des centaines de armes. Quand ils ont joué une munition, quand ils ont joué une contact, ça. Là, ils font kidnapping Pétionville ou de l'autre côté. C'est les gens qui kidnappent les gens par eux, puis ils poutent les gens qui ont oui. Donc, je ne parle pas de l'amnistie, je parle de l'amnistie pour nous rescuer les gens, nous avons sauvé Haïti sans que nous ne parlions de guerre civile. Parce que l'amnistie n'a pas parlé à la. Il y a plusieurs étapes. Il y a la commission vérité. Pour jouer une amnistie, il faut que vous passez devant la commission vérité. Il faut que vous expliquiez que vous jouez une amnistie. Il faut expliquer l'argent pour le Caribou volé, à côté de Métil. Il faut expliquer Kaïsa ou Kogéen, comment on fait gagner le coût de l'argent. Ou remettre les peuples haïtiens l'argent, suspendre faire kidnapping, suspendre tuer les gens, ou remettre les amis illégaux qui sont dans mon nom. Le ça, l'État lui-même a considéré pardonner. C'est ça que l'amnistie. Mais il faut passer devant la commission vérité, il faut passer devant la commission justice, parce que l'offre de vérité pour dire, même si on fait, ou reconnaître qu'on est coupable, mais tout le temps fait bien, il y a dit, mais ça la justice dit, mais ça la loi dit, mais la loi qui a bonne chance, sous collaborer, sous aider nous comprendre le problème, la complexité du problème, sous aider nous faire comprendre qui est-ce qui est bon ça, comment l'autre tue mon nom, l'autre kidnappe mon nom, qui est mon nom pour l'argent. Vous avez commencé un dialogue avec ça, non? Non, moi-même, je ne vais pas parler publiquement, je dis que moi, je suis ouvert pour n'importe quel monde. Quand je ne vais pas parler là, si je vais avec lui, je dis à la mettre lui. Si ils ouvrent les je dis à la si Aristide veut les relèves, si Maté veut les relèves. Je dis, si vous voulez tout relèves, parce que vous avez tout contribué, vous mettez Haïti côté de là. Pas aucun nègre qui est responsable, qui est président, qui est premier ministre, qui est ministre, qui est directeur général, qui n'est pas complice dans ce qui est passé aujourd'hui là, dans l'insécurité qui est dans la rue. Donc, vous avez une pause, oui, Guy Philippe dit la amnistie pour gang. Non, je dis, je dis, je dis, pour tout le monde. Parce que c'est ça son route pour nous faire, pour nous sauver Haïti. Même gens de l'autre pays, tu as courage. Mandela, tu as courage. Pour le bail amnistie, bail nègre ça, tu as traité nègre noir en Afrique du Sud. Tu as un chien qui t'a tué, qui t'a écrasé, qui t'a bombardé l'école. Timon, Mandela pour sauver l'Afrique du Sud, il était bail amnistie. Pas vrai? Parce que c'est ça, le moment qu'on t'a demandé. Henri IV, Henri IV en France, le catholique et le protestant, tout est des milliers de monde. Il va bail amnistie avec l'édit de Nantes. En attendant, amnistie, dernièrement, la nègre Salvador, président Salvador, il va bail amnistie. Il y a amnistie. Amnistie, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui fait Haïti tort. D'abord, même, qui est-ce qui fait Haïti plus tort? Iso ou bien qui est président, qui est premier ministre? Gang, nous, dans la rue aujourd'hui, avec examen, jeune garçon, jeune femme, ou bien monsieur qui a une responsabilité pour créer des conditions pour Haïtiens vivre bien dans le pays. Nous ne pouvons pas pardonner, nous avons fait des crimes qui sont impardonnables. Prendre la famille, tuer ou bouler nos machines, sans raison, ça, c'est des crimes impardonnables. Assassiner deux personnes qui viennent aider, essayer d'aider dans l'orphelinat, ça, il n'est pas donnable. Mais c'est pour nous poser une question, comment faire arriver là? C'est mauvaise gouvernance, c'est corruption qui mène nous là. Tout autant nous pas assurer que nous finissons avec la question de mauvaise gouvernance. Tout autant nous pas assurer que nous mettons frein à la corruption et nous mettons frein à l'ingérence. L'ambassade américaine dans les affaires politiques en Haïti, n'a toujours tombé côté de nous bien là. Je veux dire, on a un pays côté toute structure de sécurité sous compte étrangère. L'ambassade américaine, c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met le ministre, c'est lui qui met le premier ministre. Nous sommes tous salvés là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun monde ne peut dire rien. Si nous ne mettons pas un frein dans une mauvaise pratique, ça. Ou mettons des Kenya à venir, tout le monde a venu, après 2-3 ans, la situation n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille avec gang, il n'y a pas de bataille avec groupe armé. Si il n'y a pas de bataille avec groupe armé, il n'y a pas de bataille avec gang. Et pas de gens qui peuvent remettre les armes. Donc là, au final, dans 2-3 ans, Haïti a tombé dans un trou pire. Alors, est-ce que vous pouvez remettre les armes? Il est difficile pour répondre à la question ça parce que nous barbecue en même temps le fait de adresse il y a des son message avec politicien avec PM non en même temps tout monsieur montrer que si PM n'a pas répondre favorablement l'a kembe zam et nous presque sûr que gagne pas plaquer zam comme ça parce que sans zam nan nous connaît que nèg yo pas gagner disons yo vinn vulnérable c'est comme si nèg yo vinn tankoum c'est comme si nèg. Alors, sans amenant, n'importe qui va capoter nèg yo aller. Alors, faut dire que force là li atterri là pour aller bataille. Puisque là nous garder ensemble de paroles qu'a parlé yo. Là nous garder tout ensemble de promesses qui fait yo, nous dit que force là pas gain le choix, li obligé entrer dans bataille contre gang.
Et parmi promesse qui fait, il y a un qui particulièrement attire attention. Les vini de pays Salvador de Nayib Bukele. Ou Salvador? Salvador c'est lui-même qui a fait bon promesse. Salvador promet que dans cadre mission multinationale là, là-bas il y a unité hélicoptère armée qui a gagné 110 moun la donne, 5 hélicoptères MD500 qui a gagné pour mener opération en l'Équateur. Et là tout bail technicien pour faire entretien dans hélicoptère. Bon, Salvador bail pain, là bail l'argent et puis là bail l'argent beurre. Donc ça c'est vraiment on t'est capable reler on aide désintéressé. Son pays qui voulait aider tout bon vrai parce que li gon exemple que la vende. Li gon modèle que la vende, je dis au kadi tout simplement gon modèle Salvador par rapport avec Jean Batalan t'a fait contre les gangs. Pas oublier aussi Wendy 509, Chanel ça qui branche tout haïtien ensemble, c'est là qui ici de quoi à l'étranger haïtien qui dans diaspora qui dans États-Unis, dans pays Mexique, dans pays Salvador, dans pays Équateur, Colombie, au Brésil, en Argentine, en Guyane française, dans pays Suriname, haïtien tout partout qui dans Chili, qui dans pays la Turquie, dans pays la France en Espagne, haïtien qui en Italie. Nous saluons tout haïtien ça yo. Pas oublier abonner, commenter, liker